Ils m'entendent pas encore, je peux dire plein de conneries, je peux continuer. Eh ouais, non mais... Faut pas leur dire que j'ai chopé le connard au virus. C'est... Comment ça, le micro est ouvert? Ah, top. Putain, mais tu préviens quand tu fais ça, Meurice, enfin, merde. Et imagine que ça passe vraiment dans le live. Donc je disais, sur le connard au virus, ils sont pas au courant, et c'est cool. Parce que quand ils, s'ils étaient amenés à savoir, bah plus jamais ils toucheraient les goodies qu'ils vont gagner ce soir. C'est quoi ce bouton vert là qui est allumé? C'est le micro, non? Alors les gens, on les prévient quoi, on leur dit de venir nombreux et tout, puis ils viennent pas. C'est à croire que c'est lundi quoi. Comment ça on est lundi? Ah, chaos, te voilà. Ah, enfin, de l'assistance. Comment je vais boire avec ce truc moi? Bah oui, parce qu'il y en a, ils ont probablement pas tout vu parmi les nombreux viewers, les deux. Il y a même pas le robot de Deline, c'est nul. Je suis déçu, j'ai super chaud parce que j'ai fait plein d'effets spéciaux aujourd'hui. Faut que je règle la caméra, il paraît. Oui, Maurice, t'excite pas, Maurice. Reste calme, je vais régler la caméra. J'arrive, hein, j'arrive. Je rentre juste là. C'est un peu chaud. J'aurais dû faire 20 heures pour attaquer le stream parce que ça va se voir. Mais vous êtes habitués, c'est ça qui est bien. Est-ce que je mets la capture? Non. Ah. Eh oui, le connard de virus ne passera pas par moi. Elle est bien réglée, cette caméra? Fais-moi voir. Non, il passera pas normal. Alors le problème avec cette capuche, bah c'est ça. Je bois comment moi maintenant? Ah, faut que je cache la marque. C'est les bières de punk à chien. Je bois comment? Parce que du coup, les gens, je vais vous donner des trucs ce soir. Mais il y a intérêt que je suis beau. Forcément, je suis beau. Je vais inverser, je vais mettre la fenêtre du chat de l'autre côté d'ailleurs, tiens. Bouge. Bouge, 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 bouge. Hop. Alors, faut que je m'organise, faut que je m'organise, parce que c'est un peu chaudard. Je rentre je vous dirai après. Il y en a, ils savent, mais j'ai honte à le dire. Moi, j'aime mieux dire que j'étais au RSA, c'était vachement bien comme période, c'était cool. Faut que je trouve un morceau. Un morceau de quoi? De musique, enfin, que dalle. Oh, on va se mettre ça, ça va le faire bien. Alors, la caméra est super basse, c'est bizarre parce que pour vous regarder, vous allez voir d'en dessous, ça va faire impressionnant. Et en fait, ce soir, je vais vous donner un truc pour survivre au connardovirus. Mais je vous expliquerai qu'à la fin du stream. Donc, il va falloir rameuter du monde et que vous soyez super nombreux. Si vous êtes moins de 10, hein, je donne pas le truc, je le garde pour moi. Comment ça, on voit que c'est un vieux slip avec un trou? Non! Pas du tout. Bon, en fait, il fallait bien que ça serve. On est dans une période où il faut être écologique. Donc, il faut reconvertir le matériel. C'est super important, quoi. Donc moi je me suis dit, plutôt que d'acheter un masque, qui est probablement fabriqué en Chine d'ailleurs, je vais prendre mes vieux slips troués, ça se voit, hein. Bah, tu peux pas le rater celui-là. Je vais prendre mes vieux slips troués, du coup je peux voir là, c'est cool. Ah, il y a un fil de... Je veux pas savoir, c'est peut-être pas un fil, hein, c'est peut-être un poil.
je vais prendre mes vieux slips trouvés et je vais m'en faire des masques. C'est pas le génie de l'écologie, ça? Ah, j'ai perdu la fenêtre du chat, merde. Tu as honte? Non, je n'ai jamais honte. Je suis trop bien. C'est juste que... Putain, on peut pas boire avec ça, ça fait chier. Attends. Puis elle est trop basse, cette caméra, ça me va pas, ça me donne un air important, c'est pas, ça fait faux, quoi. J'ai trouvé un truc pour la surélever, j'arrive. Ah, j'y vois rien. J'y vois que dalle. Elle est où? Non, ça c'est le mur. Ah putain. Ça va être le bordel ce démarrage. On va y arriver. Il faut que je me mette le retour parce que j'ai... Oh là là, j'ai plus les yeux en face des trous. C'est compliqué en fait la survie. Je sais pas si je suis prêt pour ça les gars. Partez sans moi. Je vous retarderai. Un attardé, ça a toujours retardé les gens, c'est connu. Aïe aïe aïe. Comment ça c'est le bordel sur le bureau? Pas du tout, regardez-moi ça. La haute technologie qui va rentrer en action. Alors là, vous devez voir le plafond, j'imagine. Ouais, c'est ça. Hop. Ah. Là, on est presque bon, là. Regardez-moi ça. Non, pas trop bas, parce qu'après, on va voir ma... Ça dépend ce que vous pensiez, mais moi, là, je suis bien, là. Voilà, je vais remettre les lunettes. Putain, il fait super chaud sous ce slip. Les gars, aidez-moi, je suis en enfer. Oh. Oh. Ce qu'il faut pas faire pour survivre à la connerie humaine, quoi. Je vais faire comme ça, ça fait un petit côté Jedi. Avec un slip troué quand même, hein, les gars. Là. Ah. Ah, c'est bon, là. Donc, vous êtes bien dans le vrai gros stream de The Big Game Mosky en forme de bilan, et ça va être rigolo. Il n'y a personne sur ce chat, 3 personnes. Moi, je fais pas de show juste pour ça. Tonton JP, Chaos, mais où sont les autres? Deline, Deline. Deline, qu'est-ce que tu fais? La cuisine? C'est pas l'heure. Et puis t'as un mec pour faire la cuisine. Viens sur le stream, déconne. Laisse tomber, quoi. Il y a un petit côté aussi désert. Hein, ça fait bien, désert. Je pourrais avoir une caravane. Ça serait sympa. Même ma clope s'en était teinte de désespoir. Comment ça on fume pas sur Twitch? J'en ai rien à foutre. Mais alors vraiment quoi. Jeff Bezos, je m'en cogne de tes règlements. Faut que tu sois au courant quand même. Bon, on va aller gueuler un petit peu sur Twitter parce qu'il n'y a personne sur ce stream. Vous allez être deux. Et en comptant moi, ça fait 3. Mais je connais les trucs à gagner. Je vais pas les gagner moi, ça fout mal quoi. C'est dégueulasse. Faut en laisser pour les autres un petit peu. Donc Chaos, t'as gagné déjà, hein, c'est réglé, et Ah, Deline. Voilà Deline. Alors, je fais une danse règle pour Deline. C'est n'importe quoi, mais c'est bien à l'image de l'émission. Puis ça me fait faire un peu de gym, quoi, parce que j'ai passé toute la journée assis. Alors c'est rigolo, je vais le dire avant que les vrais gens arrivent. C'est quand même super marrant. Ah, t'as règle, c'est beau. Elle est où, Kissa? Il manque Kissa. Moi, je démarre pas tant qu'on n'a pas Kissa, hein, je vous le dis tout de suite. Putain, ces lunettes sont vraiment crades. Si je souffle dessus, je vais encore plus les encrader, c'est ça qui est rigolo. Peut-être mettre une vraie musique, les amis, non? Voilà, ça c'est beau. Souvenez-vous, les années 80. Arrête de pleurer de rire, Deline, je te vois. Je ne te jugerai jamais, mais je te vois. Oh! Avec les lunettes bleues, c'est encore mieux. Hey, salut, vous êtes bien dans The Big Game Mosky. Ce soir, c'est le stream de toutes les conneries parce que ça va faire un petit bilan de la chaîne. Et les bilans, j'ai souvenir de Sébastien Rucher quand je chiais vachement à faire des bilans qui étaient quand même douloureux à porter parce que c'était quand même le level largement au-dessus. Ici, sur la chaîne, je vais pouvoir vous dire que des trucs marrants et sympas et agréables. Putain, je sais pas comment le mettre, ce slip. C'est peut-être pas fait pour la tête. Tu vois? Ah, c'est pas mal, là, on dirait une nonne. Donc c'est vraiment un slip, hein, Deline, t'as raté ça. Vous êtes 5, si on arrive à 10, on arrivera à lancer les concours, ce sera pas mal. Donc je vais continuer de meubler en attendant. Donc pour les gens qui me connaissent, qui sont déjà là en avance, eux, et bravo, good game. Bah oui, j'ai attaqué le boulot, et après toute cette période d'immobilisation du monstre, c'est rude. Je vais baisser un peu le son de la musique, ça doit gueuler. Et du coup, bah, je suis un jeune premier...
d'un demi-siècle. Comment vous résumez le truc? Dans la boîte, je pense que les boss, ils sont plus jeunes que moi. Mais bon, on va pas s'emballer sur ça, c'est un détail. Mais du coup, c'est rigolo quand même. Parce que je me fais engueuler quand même comme un connard de 20 ans qui fait son premier job. C'est assez marrant. Et je peux rien dire sur la boîte parce que c'est rigolo. 100 ans à nous deux, c'est ça. 100 ans à nous deux avec tonton JP. Oh là là, si ça c'est pas magnifique. Et la clip. Et oh, putain, oui, c'est vrai que JP c'est un maniaque du clip, faut que je me méfie. Pas de marque. Et du coup, bah oui, c'est super bizarre parce qu'il faut rattaquer, se remettre dans le moule d'une boîte. En fait, faut voir une boîte comme fonctionnement, en résumé, c'est un bac à glaçons. Vous, vous êtes la flotte. Eux, ils sont le bac. Le but, c'est de pas déborder déjà, et d'une, c'est pas si facile, les gars. C'est de pas déborder, puis que vous tombiez bien dans les petits compartiments du bac pour faire des beaux glaçons. Il y a un truc que tous les gens savent. Oh, on s'en fout, merde. Il y a un truc que tous les gens savent, c'est qu'il faut pas mettre trop d'eau, parce que l'eau en refroidissant, elle augmente de volume. L'eau, c'est vous. J'augmente de volume. Non, ça va. Et j'ai même perdu une taille en une semaine. Je détaillerai après, mais on s'en fout, en fait. Et donc, du coup, bah, ça va être marrant. Bonjour, madame. Madame ? Non, c'est de l'autre côté. Madame ? Ah, ça devait être un bon jeu, ça. Putain, du coup, j'ai pas la caméra qui me fait l'inversion dans le bon côté. Ouais, l'écran, il est là. Il est pas là-bas pour regarder ça. Vous comprenez rien ? On s'en fout. C'est une belle métaphore. Exactement. Je vais enlever les lunettes parce que j'y vois rien. Elles sont vraiment crado, quoi. Je crois que je les ai jetées sur la caméra, non ? Ça va. Et on va rigoler ce soir. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc, du coup, bah oui, alors du coup, cette histoire de rattaquer le boulot, ça me fout le bordel. Parce que quand t'as un emploi du temps de chômiste, forcément, tu peux en essayer des jeux. Hein. Forcément, tu peux les streamer tes jeux. Forcément, tu peux faire du montage vidéo. Puis même si tu sais pas faire, tu peux apprendre. Et je peux me rapprocher encore plus de la caméra si vous voulez, c'est même pas un problème, quoi. Mais du coup, une fois que ta chaîne elle ronronne, que tu t'es taillé quand même des horaires, parce que moi j'aime bien les trucs un peu carrés quand même. Et que t'as ça qui arrive au milieu, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse, quoi. Parce que il faut que tu mélanges deux choses qui ont des emplois du temps complètement différents et des façons de consommer ce même temps totalement différentes, quoi. Et c'est très très perturbant. Je vais faire une pause parce que je parle beaucoup, je trouve, pour un démarrage. J'ai pas eu le temps de me poser, donc du coup c'est assez perturbant. Ce soir je vais vous parler donc bilan de la chaîne. Ça va être bien. Je vais vous répéter en fait ce que j'ai dit en grande partie pour les typos sur Twitter. Elle me va super bien, ce truc en fait. Regarde avec la petite mèche qui dépasse. Je pourrais jouer dans Assassin's Creed. Et donc, ouais, ce soir, je vais vraiment causer de la chaîne. C'est quelle heure? 23, j'ai fait assez attendre les gens, faut que je donne des infos. Tant pis si on n'est pas plus nombreux, mais on n'a rien à foutre. Les gens avaient qu'à venir. Je vais renvoyer un tweet quand même. Putain, franchement, le tweet avec la photo, avec la retweetée de Lynn d'ailleurs. Voilà, je vais renvoyer ça avec l'URL du stream. Ce sera juste parfait. C'est marrant, je crois qu'il y a un goût dans ce tissu. Bah, je veux pas savoir. Je les ai mis, merde, je sais alors. Oh non! C'était pas celui que j'avais utilisé le... Non, pas cette semaine-là, j'espère. Oh, je vais avoir les cheveux qui tombent. Je vais avoir les cheveux qui tombent après ça. Si j'ai une calvitie, c'est de votre faute. Oh putain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour entretenir une chaîne? Ça se trouve, il y a des puces, hein, ça me gratte. Ou des... Pire, des... Quoi? Comment ça s'appelle? Je vois pas ce que vous écrivez dans le chat. Total idée Shannon. Alors tant pis pour les morceaux, je vais peut-être me faire flyer des coups de copyright, on verra bien. C'est pas grave, c'est pas l'important. Il va y avoir des bonnes nouvelles à partager ce soir. Qu'est-ce que je mets au fond? Parce que j'ai vraiment rien prévu. C'est un vrai live d'impro. J'ai des idées sur ce que j'ai à vous raconter. Les idées en fait c'est ce qui est décrit dans le message que j'avais laissé pour les typos. Mais sorti de ça, j'ai vraiment rien préparé, quoi, c'est la merde en tube. Qu'est-ce qu'on fait? Je commence? Parce que vous attendez, là, j'ai l'impression. Bienvenue à toi qui est le cinquième, on s'est pas quitté, t'as pas encore parlé dans le tweet.
dans le chat, dans le... Et tu vas pas tarder à céder quand tu vas voir la connerie ultime. Donc ce soir, je vais quand même vous le chercher, je vais vous faire gagner un truc. Bah oui, pas qu'un. Alors, il va y avoir un concours réservé pour les typos. Eh oui, il fallait typer les gars, tant pis pour vous. Parce que les gens qui ont typé, je vais en faire tout un couplet. Je vais aller chercher le truc, j'en parle juste après. Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1 sur The Big Lebowski. Je sais même pas comment on imite Marcus en fait. C'est con pour moi ça. Marcus qui est adorable, mais voilà. Qui est très commercial quand même, faut dire. Mais il est adorable quand même, il est adorable. On peut pas lui reprocher ça. Vous allez gagner ça ce soir les viewers. Vous êtes prêts pour ça, vraiment? Il a même pas été utilisé, il est vierge. Miam miam miam. Alors ça, croyez-moi, ça améliore le goût du café, mais pas que. Ça améliore le goût également du rhum. Si si si, il faut me croire. Ça marche pas avec le pinard. Faut jamais mettre de pinard là-dedans, sinon vous cassez les propriétés bénéfiques de ce mug. Vous pouvez essayer avec de l'eau de Javel, mais je vous recommande pas d'en boire en fait. Je sais pas pourquoi, mais cherchez. C'est clair qu'elle est belle. Et donc, du coup, ben oui, vous allez gagner au moins ça. Les tipeurs, eux, ils sont plus garnis. Parce que eux, ils vont gagner ça. Je vais vous faire voir quand même. C'est que j'ai rangé. Faut que j'en trouve. C'est le bordel. Pff, un peu. Non, beaucoup. Aïe, 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 aïe. Pourquoi j'ai dit oui? Les tipeurs, ils vont gagner quoi? Ils vont gagner ça, ces salopards. Alors, est-ce que c'est prêt? Est-ce que ça va marcher du premier coup? Je sais pas, j'ai le doute un peu. Oh putain, ça marche du premier coup. Ils vont gagner ça. Je vais voir le logo. Oh, je suis déçu. Oui, de la tatane. Du déchirage. De l'arrachage. Et pour être totalement fair play, vu qu'il y a des gens qui n'ont pas... qu'on prévenu qu'ils pourraient pas être présents sur le live, des gens comme des tipeurs, bah, je vais quand même marquer les noms de tous les tipeurs, même ceux qui sont pas là. Donc Chaos, tu peux partir. Du coup, on fera un vrai tirage au sort pour le gagner, ce dernier jeu. Oui, on va gagner Wolfson ce soir, bande de vénards. Et on va faire un petit bouh quand même à l'éditeur, qu'il n'y soit, hein, donc qu'il comprenne le français. Bouh l'éditeur! Parce que j'ai quand même demandé si vous pouviez offrir un exemplaire de votre côté, puisque celui que j'offre, c'est celui qui a été douillé avec les sous de l'émission. Et quand vous voyez les moyens de l'émission, voilà quoi. Et ça fait plaisir, parce que c'est pour les tipeurs. Mais ils auraient quand même pu rajouter un deuxième exemplaire pour les viewers, quoi. Ça aurait fait un petit peu moins pince, quoi. Bim bam boum, exactement. Je vais quitter ce truc, parce que je crois qu'il y a des trucs, des animaux dedans. Oh. Ça se trouve, j'ai lancé une nouvelle mode. Donc je vous prouve que c'était quand même réellement un slip. Monsieur, voilà. Dites pas que j'ai un gros cul, sinon je vais me vexer. C'était vraiment, vraiment un slip. Avec un énorme trou. Comme on n'aime pas en voir, quoi. Ça pourrait faire un peu slip gay, je trouve, mais bon. On va pas développer là-dessus, il y a des gens qui vont se vexer, il y a des gens très sensibles, il y a des gens qui ne sont pas tolérants à l'humour, tant pis pour eux. Je vais le ranger précieusement, on sait jamais. Qu'est-ce que je vais mettre en vidéo de fond? Je vais mettre un truc un peu long. Non, pas comme... non. It's not possible. On va se mettre un 1cc de quelque chose, tiens. Ça meublera bien, puis je vais pouvoir tchatcher pendant ce temps sur tout ce bordel. Oh mon dieu, ce stream de l'impro crado. Ça va être sale. Alors. Ça va vous sinon? Personne n'a chopé le connardo? Alors je vais vous donner quand même une bonne nouvelle pendant que je vais chercher ce qui me manque là. Putain, le nas s'est endormi, merde.
La bonne nouvelle, c'est que le connardo virus est arrivé à Grenoble. J'ai appris ça aujourd'hui. Pas que je m'y intéresse, parce que j'en ai vraiment rien à foutre, quoi. Le problème étant que la femme d'une des personnes qui bosse avec moi, pas dans le même local, hein, heureusement, elle a chopé le truc. Elle travaille en milieu hospitalier, c'est vous dire si ce sont des pros qui sont entourés par des députés et des ministres encore plus pros, quoi. Et donc, du coup, bah, voilà. Faut que je te dise, ça me fait trop plaisir. Mais bon, on a du conardovirus. Et du coup, là où je bosse, il y a trois bureaux, enfin trois antennes, donc trois locaux différents dans des lieux très distants les uns des autres. Et je refuse maintenant d'aller dans le lieu où il y a le mec qui bosse, qui est adorable d'ailleurs. Et ça me déprime que ça tombe sur lui, quoi, en plus. Parce que c'est une personne qui est vraiment adorable. J'étais en train de partir chercher un truc à mettre en vidéo mon fond pendant que je tchatche. On va peut-être finir par y arriver. Bon, annonce. Non. On va se trouver un petit 1cc de Mushi. Il doit y avoir ça en stock quelque part. Émission. Hop, hop. Mushi. M-U-C-H-I. Normal, original, first run. Il n'y a pas de 1cc. Bon, c'est pas grave. On va se faire. Celui-là, il mettra ses porcins, je pense. Arrête de parler sur tes intros, toi. Voilà, ça ira bien. Un petit fond boulette. Je me recoiffe. Ça, c'est ma coiffeuse attitrée. Elle a décidé que depuis 2 ans, toutes mes coupes, ça serait. Salut, fais croire que t'as encore 17 ans. Puis je la regarde comme ça à chaque fois, j'ai fait. Pas crédible. Pas crédible, ça marchera pas, quoi. T'es gentil, mais marchera pas. Ils vont se douter un peu, quoi. Juste en... à la voix, peut-être. Poulpi! Oh, tu restes pas longtemps, mais quand tu vas voir commencer n'importe quoi, tu vas vouloir rester, c'est obligé. Je vais vous mettre la caméra plus en face. Alors du coup, je tourne la tête dans quel sens, là? Ah non, je m'éloigne, c'est inversé. Qui c'est qui me dit où elle est la fonction dans OBS pour faire un reverse horizontal de la scène qui est capturée? Si je trouve ça, on a tout gagné. Ouais, demande-leur comment ils vont. Moi, je pense qu'ils toussent tous. Désentrelacement, c'est pas ça. Transformer, peut-être. Rotation, s'il y a une rotation. Il y a une inversion. S'il y a une version. Je vais me mettre à l'envers. Ouais, mais pas dans le bon sens, ça va être rigolo. Hop là! Et là, je regarde du bon côté. C'est magique. Et du coup, vous allez voir... J'avais un prix à payer, je suis désolé. Comme ça. Pff, heureusement que j'ai pas de modo, hein, sinon... Vous pouvez y aller sur le chat. Hein. Même des poils, si vous voulez. Tout ce que vous voulez. Oh, la coupe que je me suis fait, du coup. Alors du coup, là, c'est pas mal parce que je vous vois dans le chat. Qui est là, hein. Moi, je vous vois vraiment dans le chat. Et quand j'indique un truc à l'écran, il est par là-bas. Et ça a un sens. Ça correspond à quelque chose, j'aime mieux. On va y arriver. Oh, ce tentacule. Je vais quitter mes godasses. Je serais mieux. J'ai pas eu le temps de quitter mes godasses, quoi. On n'est jamais arrivé à un endroit tant qu'on n'a pas enlevé les godasses. Ça, c'est mon dicton. Comment ça, je suis parti? Non, non, je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas. Je reviens. Hop là. Bon, on va pas tourner autour du pot. Alors tant pis, j'ai pas de musique particulière. On va laisser celle-là en boucle un moment. Parce qu'elle est sympa, hein, elle mange pas la tête. C'est peut-être trop fort, vous me dites, hein, si c'est trop fort la musique derrière. Ça devrait bien passer. Et donc je vais vous dire dans l'ordre toutes les news que j'ai à vous dire. Donc vous avez sans doute remarqué depuis 2020, je sais pas ce qui s'est passé cette année, ça doit être mon année. C'est pas la tienne, c'est pas la tienne, c'est pas la tienne non plus, c'est la mienne, à moi. Parce que des années pourries, j'en ai mangé bien. Et du coup, il m'arrive que des trucs sympas. C'est pas toujours facile, mais il y a que des trucs sympas. Et parmi les trucs sympas, bon, il y a cette histoire de boulot, c'est réglé, on y passe. Qui fait que ça va être le bordel cette année pour moi de streamer. Je vais être réduit de façon drastique sur mes horaires. Je vais pouvoir faire ça quasiment que le week-end, c'est-à-dire du vendredi soir, si je suis pas trop mort, jusqu'au... Même pas le dimanche soir, quoi. Le dimanche soir, je vais prendre des réserves parce que... Il y en aura besoin pour la semaine. Zoané Oskezos, c'est exactement ça. Et du coup, bah...
suis un peu inquiet, moi, de mon côté, parce que j'ai encore énormément de choses à présenter aux gens. Alors, la grosse chance que j'ai, c'est que dans ma période de désœuvrement total, comme on dit, enfin, quand même à dire les gens qui ont une activité en se moquant des gens qui n'en ont pas, ce qui est méchant, c'est que moi, j'ai eu l'idée de préparer Noir d'émission. Déjà, je me suis spécialisé sur les shmups. Et du coup, j'ai enregistré quasiment l'intégralité des shmups qui existent en arcade, c'est-à-dire il y en a près de 750. Vous me direz, il n'y a pas 750 TBG qui ont été publiés. Oui, c'est normal. Parce que, en fait, si vous regardez juste les shmups, il y en a 400, 450 qui ont été publiés. Donc ça veut dire que j'en ai 300 en réserve déjà. Et ça, c'est bien, parce que c'est une partie de boulot qui est faite. J'ai juste appuyé sur le bouton et faire. Ça passe tel jour. Et là, je vais au bar, boire des pintes, tranquille, avec des potes. Ok. Ceci dit, le lundi, moi, j'aimerais bien continuer de vous présenter des nouveautés. Et c'est un petit peu tendu parce que non seulement il faut les enregistrer, c'est le plus long, c'est le plus dur. Comme quoi, personne dans le chat, vous êtes nuls. Ouh! Et donc, il faut les enregistrer, il faut faire les montages un petit peu. Maintenant que je sais faire, bah, autant faire profiter les viewers pour avoir un truc un peu plus propre qu'à l'époque quand je faisais. Et maintenant, je fais un effet spécial avec. J'arrive même pas là, à le faire, l'effet spécial, regarde. C'est vous dire si les habitudes foutent le camp. Je sais plus. C'est un bordel ce soir. Faudrait que j'enlève le scrolling du texte déjà. Hop, effet spécial. Donc tu vois, à l'époque, toutes mes émissions sans montage, elles étaient enregistrées uniquement avec des superpositions OBS, quoi. C'était du vrai putain de live de ouf. C'est à peu près ça. Je pense que ma mort, bah, c'était avant 2000 que je l'ai enregistré, pour être précis. Mais c'est en vraiment très petite qualité, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des capteurs de caméra comme ça. On verra pas grand-chose, hein, je vous le dis. Et donc, du coup, bah, c'est super inquiétant pour moi, parce que je veux toujours streamer des nouveautés, parce que bah, ça m'intéresse toujours de jouer, hein, je suis comme vous. Et non seulement il faut faire toute la partie que je vous ai dit pour monter les émissions, mais ce qui m'emmerde, c'est qu'il faut beaucoup travailler les contacts éditeurs. Sinon, vos jeux, vous les douillez, quoi, comme tout le monde. Le problème, c'est que pour faire comprendre à quelqu'un que t'es plutôt du côté de la presse, et que t'es crédible, que t'es pas juste un guignolo qui fait une chaîne YouTube pour se faire envoyer des jeux gratos, pour arriver à leur faire comprendre la distinction, faut parler longtemps, quoi. Et ce temps-là, je vais pas l'avoir. Je préfère mieux le consacrer d'ailleurs au peu de temps qu'il y aura pour jouer. Ce sera mieux, quoi. Donc je suis très inquiet pour les nouveautés. Ça risque d'être très très calme, au point que c'est fort probable que pendant l'année, on se retrouve avec des semaines où on aura deux shmups, le lundi et le mardi, plutôt que le lundi avec une nouveauté et puis le mardi un shmup. J'en suis désolé, j'ai pas de solution sur ça. J'ai aucune solution pour l'instant. Respiration, bois, hydrate-toi. Vous êtes épuisants, les amis. Alors, l'autre chose, je vais regarder quand même ce que j'ai marqué sur le Tipeee parce que ça me sert de conducteur. Comment ça, on n'a pas le droit de fumer sur Twitch? J'en ai rien à foutre, quoi. Je fume pas, je la mâchouille, cette clope, de toute façon. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? J'avais parlé de pognon. Oui, alors ça c'est con, mais c'est des trucs que les streamers, les mecs qui font des millions de vues, jamais ils vont aborder en public, quoi. Ils se chieraient dessus. Moi je peux y aller, je suis paisible. Bah, déjà parce que j'ai pas beaucoup de tipeurs. C'est ce qui fait davantage leur qualité d'ailleurs, parce que tu sais que c'est des gens sur qui tu peux compter un minimum. Et du coup, bah, je vais vous parler de pognon par rapport à TBG, parce que les types que je reçois. C'est sympa, mais ils vont où? Et là, j'attends la réponse dans le chat. Si j'ai pas un DTC, je suis déçu, les gars. Vous êtes mort, vous êtes parti, vous avez laissé le stream ouvert pour faire de l'audience et puis vous vous êtes cassé à faire la vaisselle ou préparer la bouffe. C'est pas très sympa, ça. Ah, quand même, deux DTC, merci. Donc, en fait, le fric, je vais être très simple, très limpide, hein, c'est simple. Vous avez déjà la moitié du fric, ça repart en cadeau pour les tipeurs. Boum. Bah, je suis désolé, c'est eux qui payent à la base, hein. D'accord? Et je vous rappelle que payer pour l'émission, ça me permet de ne pas monétiser la chaîne. Comme ça, j'empêche YouTube en laissant les streams en Creative Commons.
j'empêche YouTube de mettre des pubs dessus, sauf quand elles se font flaguer pour la musique. C'est pour ça qu'en général, je gueule très fort, surtout quand c'est à peu près injuste. Donc le principe étant là, bah, la moindre des choses, c'est qu'effectivement, la moitié des rentrées, elle repart en cadeau tipeur. C'est pour ça que ce soir, il y aura Wilson à gagner pour les tipeurs, même s'il coûte un certain montant, ils le valent bien, point, barre. Dans les 50% qui restent, il y a 20% qui sont utilisés pour acheter des jeux que j'ai repérés moi ou dont j'ai entendu parler et qui sont d'un intérêt notable, qui feront que ça fera une émission qui intéressera pas mal de monde. Parce que le jeu vaut le coup, il a une bonne gueule, il mérite de se faire connaître. Et des fois j'arrive à avoir des exemplaires gratos, parce que j'arrive à avoir des contacts avec l'éditeur, puis des fois je l'ai dans le... ce que vous avez écrit au-dessus. Donc il y a 20% du budget Tipeee TBG qui repart en achat de jeux. Bon, à la fin, d'accord, c'est moi qui garde des jeux. Bah, c'est ma rétribution, on va dire, pour les efforts fournis. Il reste 30%. Ah, où vont les 30%? Bah, c'est les taxes. C'est l'État, non? Non, 30% en fait, c'est une réserve que j'ai gardée pour les différents projets que j'aimerais bien développer pour la chaîne, parce que j'ai pas envie qu'elle s'éternise sur des serveurs qui vont devenir de plus en plus puants. Et YouTube, c'est une plateforme qui est vraiment bien, on va être correct. La plateforme en elle-même est bien foutue, elle est accessible pour tout le monde. Un débutant comme moi peut faire sa chaîne, comme un mec qui a déjà une régie pub et de la thune, comme... Voilà, je l'ai dit. Ah, mais oui, mais c'est une machine, ce mec, c'est une machine, quoi. Et donc, voilà, c'est... Je garde 30% parce que moi, j'ai envie de faire des trucs, j'aimerais bien couvrir des salons, ça va demander des déplacements, des trucs comme ça. Dans des salons, on a un salon à Grenoble, j'aimerais bien poser un stand d'une connerie comme ça, et puis, je sais pas, on va payer des flyers pour filer aux gens, bah... Comment ça? Copier Doline, c'est exactement ça. À part que je vais pas me faire chier à faire des boules avec des petites bestioles dedans, ça je vous le dis tout de suite. Il y aura des boules, mais elles resteront où elles sont. Ouh, c'était relou ça. Peut-être changer de musique parce qu'elle doit commencer à vous casser les bonbons, non? On va s'en mettre une autre. C'est tellement cool les salons. Alors je sais pas, j'ai pas essayé, je suis un peu agoraphobe beaucoup. Beaucoup quoi. Donc ça me ferait chier, je vais pas vers les gens, vous le savez bien si vous me connaissez un petit peu, je suis un vrai vampire à ce niveau là, je viens que sur invitation. Si tu me tends pas la main, j'aurais pas l'idée de te tendre la main, surtout en ce moment, je sais pas pourquoi c'est mal vu. Donc voilà, j'ai du mal à aller vers chercher le contact comme on dit, voilà c'est ça. Donc sur un salon ce serait une cata quoi, je serais sur mon petit truc puis je parlerai à personne. On est pas comme ça, t'es comme un vrai geek. Et qu'est-ce que vous faites? J'ai une chaîne de jeux vidéo. Vous allez où? Sur internet. C'est quoi l'URL? Prends un papier, c'est trop compliqué à écrire. Il y a un accent circonflexe, un X à la fin, et tout la porte, c'est la merde. Oui, faut pas y aller tout seul. Effectivement, faut pas aller tout seul sur un salon, parce que ça, c'est le pire truc. Ceci dit, je me connais, moi, il me faut deux personnes minimum pour m'équiper, quoi, parce que j'aurais jamais de contact sur un salon, sinon je vois pas d'autres moyens. J'avais pas dit changer la musique? Si. Celui-là, il est bien. Je vais me faire flaguer, celui-là, je crois qu'il est copyrighté. C'est pas grave, on s'en fout, on est des cons. Donc voilà le principe. À quoi servent, je reviens à ce que je disais à la base, bah, les 30 derniers pourcents qui restent. J'espère que j'ai été limpide. On se fait un grand stand de betterave. Ah ouais, ça serait bien. Le bordel que ce serait. Ben, on pourrait faire un salon betterave, en fait. Où on vient à 20 betteraves. Il n'y a que nous. Donc voilà, pour cette partie-là, j'ai parlé des thunes. Maintenant, je voulais voir s'il y avait des questions dans le public. On va tirer un mec au hasard. Une femme aussi, peut-être. Oui, toi. 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 Vas-y, pose ta question. Je t'écoute. Parce que ça doit être bizarre de voir cette chaîne fonctionner d'une certaine manière, puis d'en avoir une image qui est la vôtre, et moi... Poulpitat, il sort. et moi qui ai une autre vision complètement différente, parce que j'ai tout le background, et j'ai l'impression de donner une image que j'ai calculée. Mais si ça se trouve, c'est pas du tout celle que les gens ont, quoi. Donc c'est très marrant.
Je reprends mon conducteur, sinon je vais me paumer dans tout ce que je disais. Pognon, c'est fait. Débarrassé. Ah si, il y a un autre truc, faut que je dise sur le pognon. Alors ça sera bien pratique, ce sera pour l'émission, parce que je vais la mettre sur YouTube, je vais la couper un peu. Mais je vais mettre tout mon live sur YouTube, même s'il est complètement désordonné. Parce qu'il y a des informations importantes qu'il faut que les gens aient. Et je suis pas comme ces espèces de nouilles là, qui sont là pour faire un business. C'est pas du tout le même rapport, quoi. On n'est pas vraiment sur la même planète. Sur le Tipeee, il n'y a pas de limite au montant qu'on peut donner. Et il y a des gens qui ont donné plus de 5 euros. Et moi, ça me choque totalement. Parce que ça veut dire que si je mets tous mes petits tipeurs les uns à côté des autres, ça fait comme ça. Et puis, et ceux qui font comme ça au milieu, ça rentre dans la caméra. Ouais, c'est bon. Ça me dérange parce qu'ils dépassent. Ils sont vraiment trop hauts, quoi. Donc, faut. On coupe. On va. C'est pas la peine de. C'est pas un concours de. J'en ai pas sur moi, mais je vous l'aurais bien montré. Mais voilà. Donc maintenant, ce que je vais inviter les gens à faire, c'est si vous voulez tipper, ne dépassez jamais, au grand jamais, 5 euros maximum de tip. Parce que c'est pas un free-to-play, on n'a pas besoin de baleines, et c'est pas à des baleines de porter l'émission. L'émission, elle se porte à peu près toute seule. C'est juste une question de temps qu'il va y avoir disponible maintenant pour faire du contenu, et je vous garantis qu'elle vaut pas plus de 5 euros, on est d'accord, quoi. Grosse bise, ouais, une grosse bise, c'est ça. Et du coup, ben, tous les gens qui dépassent ce montant-là, non seulement ils auront un coup de martinet quand je les croiserai, si je les croise un jour, s'ils sont loin, mais faut pas, faut ajuster le tir. Donc on ne dépasse plus 5 euros maxi de tip par mois sur TBG, parce que sinon je vais mal le gérer, je vais me sentir coupable, quoi. J'ai une conscience, contrairement à... Comment faire pour pas le nommer? Contrairement au mec qui invite des petites streameuses et qui les fait glander pendant 4 heures pour leur dire à la fin d'une partie de Monopoly qu'elles passeront pas à l'antenne. Indoline, tu sais de qui je parle. Donc voilà, je suis pas comme ces gens-là et j'ai pas envie de le devenir surtout. Parce que c'est... Je sais pas, quand t'es un professionnel, parce qu'il dit il a de la thune le mec, il se dit professionnel, il l'est quoi. Donc... tu respectes un minimum les gens pour de vrai, c'est pas parce qu'ils sont en coulisses que tu peux te permettre de te foutre de leur gueule, parce que ça se voit pas. Moi je l'ai toujours en travers la soirée de vie. J'avais les boules plus que toi, j'imagine. Parce que c'est un truc, normalement on le fait jamais quand on organise des spectacles, c'est la base même. Un mec il est vraiment dans le business de la scène, il fait ça une fois, il est cramé dans tous les agendas. Là c'est le net, c'est un peu particulier, c'est-à-dire... On y pense le jour même, le lendemain on a oublié. Mais pff, moi j'oublie pas, hein, je suis un vieux con. Qu'on offre à cette dame son cul. Ah j'ai mal lu, zut, c'était dû. Oh je suis désolé, vraiment, pas fait exprès. Ok. Donc voilà pour les grosses news. Après, qu'est-ce que j'ai plus rien à dire, on va faire le concours. Qui c'est qui veut gagner? Ah, oh, Poulpi, t'arrêtes d'être gourmande comme ça. En plus, t'as le nez qui coule, je suis sûr que t'as chopé le connardovirus. C'est louche, toi. Toi, toute l'année, t'as le nez qui coule, en fait, Poulpi. Ça se trouve, le client zéro, le patient zéro, c'était toi. À vous. Ouais. En plus, elle assume, quoi. C'est ça qui est bien. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, non. Vous avez pas de questions? Le Bernardovirus. Ouais, je vais aller me coucher. Moi, j'ai fini ma journée. C'est 19h49. Faut que je sois en forme pour demain. Pour des pingouins. Elle est bien cette partie en fait. C'est qui joue? Je connais pas ce truc. Je suis dégoûté. J'ai même plus le temps de jouer au shmup, quoi. Ça me traumatise. Je suis vraiment heureux d'avoir préparé pas mal d'émissions d'avance, quoi. Il y a cette histoire de nouveauté, j'y reviens, ça me fait vraiment un peu flic, mais je vais trouver des solutions. Puis vous savez très bien que je me concentre sur les jeux un petit peu indés, plus que les jeux déjà connus, qui n'ont pas besoin du tout de pub, ni de promo. Et c'est ça qui est génial, c'est que les jeux indés, on peut lier des contacts vachement plus facilement, réellement, avec les développeurs en direct. Et c'est des gens qui sont formidables, quoi. Et si je vous fais pas plus gagner de jeux indés,
Ça, c'est une explication que je vous donne qui normalement est en backstage, mais c'est pas dramatique de la donner. Si je vous fais pas plus gagner de jeux indés, c'est parce que comme j'ai des scrupules à prendre plus de 5 euros en tip par mois, j'ai des scrupules à demander un truc gratos à un mec qui s'est enlevé les doigts du cul pour sortir un jeu vidéo, qui a pas de maison d'édition derrière et qui investit à mort sur ses deniers sans savoir ce qu'il va gratter à la fin. Ça se trouve, personne connaîtra son jeu, il va être dedans quoi. Donc du coup, je trouve ça malvenu de dire au gars qu'on discute à la fin et tu pourrais filer en plus un jeu gratos à faire gagner pour mes viewers. C'est une phrase que je trouve déplacée. C'est une question de respect et de politesse. Donc c'est pour ça que généralement, vous avez très rarement des jeux indés que l'émission vous offre, où j'essaye de les passer sur le budget de l'émission éventuellement, parce que je veux pas que ces gens-là se mettent plus dans la merde qu'ils se sont mis avec leurs histoires de développement. Et bien souvent, les devs, c'est rigolo. Enfin, rigolo. C'est rigolo. Mais rigolo que le dev réalise au moment de sortir le jeu qu'il n'a pas du tout bossé la partie communication. Donc, ça se trouve, il a un super jeu qui est méga génial. Et bien, personne ne connaît l'existence. Alors, vous me direz, il y a l'émission pour ça. Mais moi, je suis un petit canal de merde. C'est pas grâce à moi qu'ils vont faire des ventes. Et des gens comme. Ou bien. Eux, ils ont l'audience, mais ils en ont rien à foutre de ce jeu, parce que c'est un petit jeu. Et ils ont pas envie de perdre de temps à jouer à ça les fait chier, quoi. Eux, ils aiment bien jouer à Prince of Persia, ou... Vous comprenez le truc. Donc voilà. Vous avez toujours pas de questions? Quand c'est que je pose nu, par exemple, non? Et si tu enregistres 1 heure ou 2 le samedi, quand tu peux? Mais je vais enregistrer le week-end, hein, rassure-toi. C'est ce que je vais faire, mais là, mes week-ends, là, ce week-end, c'est exactement ce que j'ai fait. Je vous ai fait la chronique. Ben, on va prendre un exemple concret de news. Donc, lundi prochain, il y aura un jeu qui s'appelle Weakless, qui est un petit jeu indé développé par un studio polonais. J'ai pas été payé en bouteille de vodka, non. Et du coup, je vous ai enregistré l'émission samedi et j'ai essayé d'aller à fond la caisse pour voir en combien de temps je faisais. Ah non, plus jamais les crêpes. En combien de temps je pouvais sortir une chronique d'environ 15-20 minutes. Et en fait, une chronique, le plus long, c'est de parcourir le jeu en fait. Alors ça dépend des types de jeux. Si c'est un truc d'action, ça va très vite. Si c'est un truc d'exploration, aventure, énigme, horreur, n'importe quoi, on part déjà sur des heures de rush. Et après, on a encore des heures derrière de montage, quoi. Il y a minimum 2 heures de montage, hein, pour chaque émission. Alors je sais que je suis pas rapide, mais. Voilà le truc. Donc ça veut dire que je peux sortir facilement une émission par semaine sur une news. Ça passe. Mais on a le problème, je peux pas gérer en plus les contacts éditeurs pour essayer de récupérer les jeux gratos sans les payer parce que les fonds d'émission, je vais pas les gaspiller en achetant à chaque fois des trucs. Surtout qu'il y a des daubes au milieu, quoi. C'est un peu compliqué. Je quitte le plateau. Plus de crêpes. Bah, les crêpes, déjà avec des Airbus, je sais pas si je le referai l'année prochaine. Parce qu'il y avait 2-3 trucs, on en avait discuté entre nous, que j'avais trouvé un peu médiocre. Pas par rapport. Je juge pas les gens. Hein. Je juge pas l'action, qui est très bien au contraire. Il y a un problème d'organisation chez eux, je crois. Et ce serait bien qu'ils abordent ça d'une nouvelle manière pour la nouvelle édition 2020. Parce que j'avais trouvé ça particulièrement bordélique, quoi. Et le fait de gérer. Les petits canaux de streamer d'un côté, et puis les grosses bites, on peut le dire carrément, bites, les grosses bites de streamer de l'autre, je trouve ça d'une débilité profonde, quoi. Au contraire, il faudrait mélanger ces deux mondes. Parce que la grosse bite, il n'a pas besoin de plus d'audience. Il fait son cake en faisant regarde, je fais du caritatif, ça me fera payer moins d'impôts à la fin de l'année. Et les microbes comme nous, bah, ils aimeraient bien avoir un peu d'audience drainée par les grosses bites pour pouvoir justement monter un petit peu. Ce serait sympa comme contrepartie, quoi. Et là, tout le monde s'y retrouverait. Il y aurait une certaine équité. Et j'ai pas trouvé dans leur truc. Donc entre leur gars, non pas leur gars, leur gars, Pulpita, leur gars, Sme. Et donc. Et tout le reste, ça me motive moyen, moi. Ça me motive moyen de faire un Deezer Bus à nouveau. Alors, ce qui serait bien, c'est que je vienne à Betraflande,
Et on le fait en live chez Doline. Là, ouais, je vous viens. Il fume beaucoup, hein. Bah oui, j'ai pas fumé au boulot aussi, ça c'est chiant. Ah, la vache. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question, quoi? Poulpita, c'est bon. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a que les gens que je connais dans ce stream. Ça va être rigolo quand je vais le balancer sur YouTube. Donc je vais faire des cuts, hein. Ça va être des cuts vraiment crado que je vais faire. Est-ce qu'on se gagne un truc? Allez, on va se gagner un truc. Comment on fait? Vous avez des idées? Tirage au sort, question débile. Je vous écoute. Ce que vous préférez. Tirage au sort, je peux faire. Question débile, je m'en trouver une. Enfin, question, ça sera une question gaming. Ça me laisse le temps de vous envoyer un autre bout de vidéo pour illustrer un peu le fond. Pendant que vous réfléchissez par quelle méthode on va déterminer où va finir ce magnifique, cet extraordinaire mug imprimé à l'envers, exprès pour vous. Peut-être mettre une autre zic là, parce que celle-là elle commence à saouler. Alors, normalement dans les trailers j'ai des trucs qui durent. Non, il faut que j'arrête avec le mot dur parce que vous êtes vraiment des gens tordus. Et à chaque fois ça dérive. Trailer, 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 c'est ouf. The Big Bang Theory. Non, t'es pas dans le bon répertoire, mec. Ouh là là, la fin de journée, je suis pas efficace du tout, quoi. Je peux vous mettre des pubs vidéo rétro, mais ça gueule et c'est très fatigant. Ah, il y a un mec qui faisait coucou. Petit temps mort, que je respire un peu. BA, bande annonce, ça y est, on y est. Non, c'est pas celui-là. Bande annonce. Qui va bander avec son annonce? Ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Ça c'est pas trop nul, ça va. On va laisser ça en fond, en plus il y a que de la musique normalement. Pourquoi j'ai plus mon audio? C'est pas mal ça. Ah, je laisse comme ça, ça m'énerve de faire autrement. T'es toujours emmerdé avec ton PC, tonton JP. Eh oui, tonton JP a fait son crash de disque dur, le pauvre. Oh, ce chantage de lit. Je sais pas si Poulpi, JP et les autres vont être d'accord. Oh, on va pas compter Chaos. Et voilà. Oh, quelle ambiance cool. Bon, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire. C'est ça qui est bien. Oh, comment j'ai trop envie de rejouer à RAL en plus. Il est trop idiot ce jeu, il me va trop bien. J'ai fait des recherches pour retrouver quelqu'un à côté. On peut faire un perdu de vue si tu veux, Poulpi. Perdu de vue avec Poulpita. Ce soir, on va retrouver. Suspense. Bon, il y a personne qui est venu sur le stream. Faut dire, j'ai pas fait de battage avant. Parce que j'étais vraiment niqué ce week-end, je crois. En deux jours, j'ai découvert qu'on n'avait pas le temps de faire tout ce qu'on voulait. C'était horrible. Vivement le week-end prochain, dit-il. On est lundi. Almerion, t'arrives juste à temps, toi. Tu viens exprès pour shipper ça? C'était Deline qui le voulait à la base. Il va y avoir bataille, il va y avoir bataille. Que les habitués, bah, c'est pas plus mal que les trucs partent chez les habitués. Pendant que vous réfléchissez, vous avez toujours pas choisi, hein, si vous vouliez un tirage au sort ou une question piège sur du jeu vidéo. Je vais faire les petits papiers qui vont faire le tirage de mes tipeurs. D'ailleurs, faut que je prenne la liste, je sais pas où ils sont. Les typos, je les ai rangés où? Oh bordel. Hop, des petits papiers.
sont des petits papiers fort pratiques quand on fait des, on veut ramasser des grains de riz, par exemple. C'est papier du dude, quoi. Il me faut un stylo. J'ai déjà fini cette bande-annonce? Je m'attendais à un truc plus long. Non, ne dis plus comme c'est fini. Never again. Qu'est-ce que j'ai en bande-annonce à peu près longue, bordel? Que dalle. Tiens, on va mettre ça. Mettre le groove. Vas-y. Bouge ton corps. Donc ce sont les papiers qui vont servir de tirage au sort. Oui, je sais, c'est une étrange façon de les rouler. Mais bon, s'ils marchent pas pour le tirage au sort, ils pourront servir à quelque chose d'autre, je sais pas moi. C'est pas grave. Alors, en tipeur, nous avons donc... Observice, c'est marqué. Je les roule vraiment. Faut pas que je les confonde parce qu'après je vais m'en servir pour autre chose, ça pourrait être moche. Je tire avec une 22 long rifle, hein. C'est bon ça. Non, je vais les mettre. Je vais les mettre là-dedans. Plop. Et d'un. Il faut que j'en fasse. Enfin, ils sont très nombreux, hein. Ils sont 5, 6. Alors, j'ai Kanto. Kanto, vas-y. Hop là, et je roule Kanto. C'est important. Bah, 6, ça rime avec saucisse. C'est vachement bien. Je le mets dans le mug. J'ai qui d'autre? Alors, où je trouve ces petits papiers? Bah, c'est un secret, je vous le dirai pas. Génie, c'est fort. Hop, et je roule le papier. Fait trop longtemps que j'ai pas fait une tawa. Oh là là. Hop. Bim. J'ai qui encore? Ah bah, cop qui se consume, ça pue, c'est vrai. Faut que je fasse des nouveaux papiers. Il y en avait plus. J'ai. Rookmoot. Inéluctable Rookmoot. Alors, pour vous dire à quel point c'est le. Bordel, cette année, j'ai pas eu trop l'occasion de recroiser Rookmoot alors qu'on habite dans la même ville, quoi. C'est moche. What the night, enjaillement. Ouais. J'irais bien me faire une tawa, ça me ferait plaisir. J'irais bien me faire une tawa, mais sans ambiance, t'es là pour draguer, parce que j'y suis pas du tout pour draguer, quoi. J'ai autre chose à foutre, quoi. Hop, encore un petit. Qui c'est cette fois qu'on a? Ah, celui-là, je le connais. Chaos, je le mettrai à côté du bol. Hop là. Ah. 20h04, ouais, il va falloir que je me mène, on a été long. Je suis désolé, j'ai été long. Hop, Chaos. Oh zut, raté. En plus, j'ai perdu. C'est vraiment pas de bol, ça. Il passait où? Ah bah, faut que je refasse le papier. Non, il est là. Vérifie. Ah non, ça, c'est un vrai. Ce bordel. Bon, il reste Chaos à faire. Et. C'est une dernière qu'on a, je crois bien. Chaos et... Et le chat. Ok, c'est parti. Oh, bordel.
Comment ça, c'est fini la musique, il n'y a plus rien à l'écran, c'est le bordel, c'est n'importe quoi ce stream. On vous avait prévenu, les amis. On vous avait prévenu. Alors, c'est rigolo parce que dans les typos, il y en a, je sais pas s'ils vont aimer ce genre de jeu, ça va être marrant, quoi. Parce que Wolfson, c'est quand même. Bah, il faut aimer Diablo, tout simplement. Si vous adorez Diablo, c'est nickel. Si vous aimez pas ce genre de jeu. Et du coup, dans les typos, je sais qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, il y en a au moins 4 à qui ça va plaire. Il y en a 2 autres, je sais pas. C'est le grand secret. C'est parti, rien ne va plus. Je mets KO, c'est le chat en même temps. Ça n'a aucune symbolique, mais. Et on y va, on y va, on secoue, on agite. Regardez-moi ça, j'aurais pu faire une maladie de vieux, quoi. C'est vous qui dites quand? Ah, j'attends, tant que vous dites pas quand, je bouge mes doigts dedans et j'essaie d'en choper un. J'ai pas lu quand dans le chat. Il n'y a pas de quand, toujours pas. Ah, papa, celui-là. Je vous le fais voir à vous-même. Je sais même pas ce que c'est écrit dessus. C'est qui? Oh, c'est à l'envers maintenant. Kanto. Kanto, il fait des mauvais tirages de dés dans les JDR. Mais alors pour les concours, il rox tout le monde. Eh ben bravo Kanto, hein. T'as gagné Wolfson. Un super jeu. Je pense qu'il va apprécier, hein. Tu peux me dire d'ailleurs, KO, si je me trompe, c'est son genre quand même. Hack and slash, ça se refuse pas. Ça l'occupera de nombreuses heures. Bon, désolé pour les autres. Ceci dit, faudra gagner ça, le conteneur. Ça me ferait bien plaisir. Donc on va enlever les tipeurs, parce qu'ils ont déjà été gâtés. Je sais, c'est pas très sympa, mais ils auront d'autres occasions de gagner des trucs. Et cette fois, je vais garder uniquement les gens du chat, donc ça veut dire Tonton JP, Deline et Poulpi. Je vais vous faire une super grosse question jeu vidéo. Je sais pas, j'ai rien préparé du coup, c'est la merde. Vous voulez pas qu'on fasse un tirage plutôt, ce sera plus simple. Parce que là, je vais me prendre la tête. Je bois un coup. Allez, on se fait un tirage. JP, Poulpi et Deline. C'est qui part. Je fais trois papelards encore. Regardez-moi cette coupe de ouf. Je vais remettre de la musique quand même que ce soit mieux. Ou une bande-annonce, n'importe quoi. Ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Ça je l'ai déjà mis. Non. On verra bien. Le temps que j'écrive. Et puis on y va. Et Almerion. Putain, mais engueule-moi Almerion, nom de Dieu! Je suis désolé, je m'excuse, je te présente mes confuses. Total confuse, sincèrement. Là, je regarde mes pieds. 4. Almerion. Je vais commencer par toi d'ailleurs. Hop. Almerion. Poulpi. Deline. JP. Ça va vite à écrire, c'est pratique. Hop là! On va y arriver. Regarde bien ces jeux. Je suis pas sur quel canal ça passe, je regarderais bien ça. Ah, faut que je fasse mon truc. Tu te débrouilles, Poulpi, tu fais ta vie, c'est toi la chef dans ta tête. Moi, j'y suis pour rien de ce qui va arriver dans très peu de temps, c'est-à-dire moins d'une minute. J'ai oublié de mettre le chauffage, ça se sent. Bim! Hop! Encore deux à rouler. C'est groovy. Oh, le stream avec Dédé Michel, il n'est pas encore passé celui-là. Il est vachement bien. Ouais, je regarde moi aussi, hein. Je m'intéresse aux jeux vidéo. Regardez. On y arrive, plus qu'un à rouler. Un carton pour Bulbi. On est parti les amis. C'est vous qui dites quand? C'est vous qui dites quand?
Moi j'ai la main dedans. J'ai la main dedans, rien ne va plus. C'est n'importe quoi. C'est la foire aux saucisses. Oh, t'as con. Bah, je fais pareil, hein, c'est vous qui voyez. Ah, j'en ai deux qui sont entrelacés. Au sérieux, vous y croyez? Regarde, il y en a deux entrelacés. Poulpi et JP. Mais alors que faire? C'est con. C'est vraiment con. Je vous laisse réfléchir, mais il faut que je trouve une solution. Ça alors, truc de fou. Si j'avais eu deux mugs, ça aurait pu bien se passer quoi. Donc voilà, Poulpi et JP, c'est pour vous. Bah tant qu'à faire, il y aura deux mugs qui partent et puis voilà, c'est réglé. Pas d'embrouille. Par contre, le coup de tomber sur des remués et d'en sortir deux entrelacés, bravo. GG les gars, vous avez fait exprès. Hein. Donc Poulpi et JP, faut que je marque tout ça. Alors, j'ai Kianto d'un côté et après Poulpi JP. Poulpi, est-ce que tu veux faire ce que t'as dit? Tu veux le filer à Doline ou tu le gardes, finalement? Oh, c'est trop joli. Donc, Poulpi l'offre à Doline. JP, tu l'offres à JP. On est d'accord? Ça se trouve, il est parti, JP, en plus. Oui. Oui, il est d'accord. Bon, c'est cool. Eh ben, vous êtes des amours. Ça m'a fait bien plaisir de vous faire gagner 2-3 conneries. C'est pas grand-chose, mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Ça m'a fait encore plus plaisir. Je rote, c'est la bière. Que vous soyez sur le stream, bien que c'était le bordel total ce soir. J'enlevais ça, ça sert plus à rien. Je vais remettre une petite musique de fond délicate. Genre du métal, quoi. Enfin non, le premier truc qui est tombé sous la main. Ah, tiens, ça. Oh, non, ça fait trop triste, ça. Ça devrait le faire, ça. Donc, super cool que vous soyez passé. Moi, je vais monter l'émission pour la mettre sur YouTube, filer les infos en enlevant les conneries que j'ai étalées, parce que sur quand même une heure, j'ai dit trois quarts d'heure de conneries. Donc, je pense qu'il y aura un quart d'heure d'émission sur ce live pour informer les viewers. Oh, c'est beau. Et puis, on va essayer de faire continuer TBG, tant bien que mal, enfin surtout bien, peut-être avec un rythme un petit peu plus mesuré, plus léger, et puis en faire vraiment une chaîne, parce que les chaînes de vieux gamers, moi je suis persuadé, c'est ma conviction, je suis persuadé que c'est un truc du turfu de maintenant, quoi, du présent. On a plein de gens qui sont de ma génération, et qui sont... Bah de cette période où on a eu la chance de voir les jeux vidéo apparaître quoi. Je vous rappelle que JP et moi, et un petit peu Chaos, à peine plus tard, on s'est coltiné des jeux de merde avec des gros carrés, où il fallait vachement imaginer, vous êtes dans un donjon, et là un gros monstre vous poursuit, c'est un carré vert le monstre, toi t'es un carré blond, tu sais. On a eu cette chance de naître dans cette génération là, et c'est vraiment du régal total. C'est pour ça que la chaîne Midlife Gamer, c'est un truc sur lequel je ne fais aucun souci. C'est un investissement d'avenir. Parce que mine de rien, on a joué au pire jeu comme au meilleur. Chose que vous n'avez pas forcément fait vous de votre côté. Parce que selon votre âge, vous êtes né à des générations où vous vous êtes farci déjà des jeux qui étaient pas mal travaillés, quoi. Et c'est vraiment un délice. Des jeux de merde, mais très bien à l'époque. C'est exactement ça. Des jeux de merde, mais très bien à l'époque. Et c'est très rigolo de se remettre dans le bain où... Moi, mes premiers jeux, et la plupart des gens de ma période, ça faisait vraiment beaucoup encore appel à l'imagination. Et c'est pour ça que nos parents, ils pigeaient pas pourquoi on passait des plombes collées là-dessus, ils nous prenaient pour des débiles profonds, quoi. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Malgré que les graphismes aient évolué, quoi. Et du coup, c'est super rigolo. Et c'est pour ça que ça devient qui est toujours passionnant. Maintenant, ils stagnent un petit peu, parce que ça se répète, les jeux.
Mais continuer de jouer, c'est bien, ça fait du bien, ça détend. Il y a des jeux qui sont vraiment extraordinaires, notamment ceux qui vous donnent des émotions qui sont hors des standards habituels, c'est-à-dire les jeux de foot, Pokémon. Je vais me faire des ennemis. Mais bon, il y a des tas de jeux originaux qui sortent. Faut les considérer bien avant les gros hits qui sont faits pour, bah oui, pour être utilisés en masse par des gens. Mais intéressez-vous vraiment tout le temps aux petits jeux. C'est là qu'on trouve les perles qu'on retrouvera plus tard, développées autrement. Faut considérer que un jeu que sort un petit studio aujourd'hui, ça se trouve, c'est le hit de demain, mais ils n'ont pas eu les moyens pour le faire comme ils voulaient. Et ça, c'est un truc vachement intéressant. Et ça cessera jamais d'être intéressant. Je vous fais des gros bisous avec mon dude qui fly là. Et je vais aller le rejoindre, je crois. Il me fait envie. Oh, dude, tu me fais une place? Allez, j'arrive. Ça tombe bien, regarde. Où ils sont? J'ai plein de filtres. Des bisous. Je vous aime. À bientôt. Ciao.